À l'issue d'une nouvelle audience dans un tribunal de Russie ce mardi, les avocats de la basketteuse états-unienne Brittney Griner espèrent un jugement clément pour leur cliente. Brittney Griner est incarcérée en Russie depuis son arrestation à l'aéroport de Moscou en février dernier pour contrebande de drogue. En cause, son liquide de vapoteuse à base de cannabis. Elle a apporté l'huile de cannabis de manière involontaire parce qu'elle était pressée, comme elle l'a dit, de faire ses bagages. Elle a juste oublié de sortir ce médicament de son bagage. C'est tout. Mais le public russe doit savoir, et le tribunal russe en premier lieu, que ce médicament n'était pas utilisé à des fins récréatives aux États-Unis. Il a été prescrit par un médecin et utilisé de manière conforme. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de vives tensions bilatérales entre la Russie et les États-Unis autour de la guerre en Ukraine. Plusieurs observateurs soupçonnent Moscou d'utiliser ce cas en vue d'un futur échange de prisonniers avec Washington.